Si tous les ports du monde est un réseau économique qui offre des opportunités de partage d'expériences, les ports d'Abidjan et de San Pedro auront par l'intermédiaire de ces réseaux l'occasion d'être des porte-flambeaux de notre culture, ainsi que la relance de l'économie ivoirienne. La signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau constitue le départ d'une aventure qui conduit sur un chemin prospère. En gros, c'est si tous les ports du monde, trois petits points, vous laissent donner la main pour travailler ensemble. Donc c'est l'enjeu du réseau. L'ouverture des entreprises ivoiriennes sur l'extérieur apparaît comme un outil de développement. L'essentiel de ce partenariat se décline sur deux pôles. Le pôle de la culture, le pôle de l'économie. Ce sont ces deux pôles, ce sont des pôles importants pour, je dirais, l'accomplissement de l'être humain. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une dimension culturelle. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une certaine dimension économique qui vous permet de vivre. Par le canal de ce réseau, les ports ivoiriens vont étendre le rayonnement de l'économie dans la sous-région et dans les pays de l'Interland.